Surprise. Si Jessica Thivenin est actuellement en plein tournage de la nouvelle saison des Marseillais et est moins présente sur les réseaux sociaux, elle s'est emparée de son compte Instagram ce mardi 26 janvier 2021 afin d'annoncer qu'elle attendait un heureux événement. Afin d'accompagner un cliché où elle prend la pose avec son mari et leur fils, Melon, qu'elle regarde avec tendresse, tout en tenant un test de grossesse dans la main, la jolie blonde a écrit, « Melon va bientôt avoir une petite sœur ou un petit frère, nous sommes heureux de vous annoncer que bientôt nous serons quatre, il est très tôt pour la, mais je viens de la prendre en tournage et ici si est-il impossible à cacher. » De son côté, Thibaut Garcia a dévoilé sur son compte Instagram, « Ça recommence. Bientôt quatre, la famille s'agrandit. Gros bisous à tous. » Suite à l'annonce de la bonne nouvelle, de nombreuses stars de la télé-réalité ont souhaité féliciter le couple. C'est notamment le cas de Nicolas Lozina, lui-même papa depuis quelques semaines, qui a écrit « Félicitations ». Mais aussi de Kevin Gage, Stéphanie Durand, Aurélie D'Autremont, Adixia ou encore Martika. Heureux, les fans de Jessica Thivenin et Thibaut Garcia ont également laissé éclater leur joie dans la section des commentaires. On peut ainsi lire, mais quoi? Incroyable cette nouvelle. Trop heureuse pour vous. Je suis choquée, je ne m'y attendais pas du tout. Félicitations. Mais aussi, tellement heureuse pour vous, plein de bonheur et d'amour, vous le méritez. Bienveillante, une fan a également écrit, félicitations et courage, je prie pour que cette grossesse se passe mieux. Jessica Thivenin est enceinte de quelques semaines jeudi 31 décembre 2020, de nombreux fans étaient certains que la jolie blonde soit enceinte suite à la publication de deux photos où son ventre apparaît un peu plus gonflé que alors que la rumeur enflait, Jessica Thivenin avait confié sur Snapchat, j'ai vu sur ma photo tout le monde a marqué, tu es enceinte. Non non, je vous rassure, hier j'ai bu du champagne. J'ai trinqué, j'ai fait la fête. Donc non, je ne suis pas enceinte. Si est-ce sûrement la robe qui a fait ça, donc je sais pas. Mais non, je ne suis pas enceinte, je vous rassure. Aucun symptôme de femme enceinte. Enfin, elle avait ajouté, j'ai eu mes règles pendant les fêtes de Noël. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il semblerait ainsi qu'il s'agisse alors d'une grossesse surprise.